Donc bonjour tout le monde, on est toujours à la Paris Games Week. Et là je suis avec Mickaël, donc Mickaël qui est notre contact Rocat. Donc voilà, il est tout blond, il a son t-shirt Rocat. Comment ça va Mickaël? Polo, ça va. C'est pareil, non mais alors. Ça va très bien et toi? Alors le mec, faut savoir, regardez un peu le cadre. Il nous a fait traverser toute la PGW pour avoir sa petite chaise, son orchidée derrière. Parce que Mickaël a des goûts de luxe. Attention. Bon alors sinon, dis-moi, qu'est-ce que tu fais à la PGW là cette année? On va en cordonne et puis un petit peu avec tous les centres qu'on a entre Alienware, War Thunder, avec nos produits. Rencontrer nos partenaires, comme vous. Youtubeurs, streamers. Faire visiter à nos revendeurs et distributeurs, leur faire découvrir un petit peu ça, et voilà, en gros. Alors, c'est parti pour les petites questions. Allez, t'es chaud là, t'es bien? Allez, c'est parti. Derrière tes petites fleurs. Si tu étais dans Pokémon? Ah, j'en sais rien. Non mec, tu peux pas me dire ça. Je me rappelle que Tortank, Dracaufeu, ce genre de choses, donc je sais pas. Tortank ou Dracaufeu? Tortank alors, allez. Ok, bah tu vois que tu sais. Si tu étais un dessert? Un dessert? Bonne question. Surtout, j'aime bien les millefeuilles. Les millefeuilles. Ok, si tu... Le métier. Oui, si, le métier que tu voulais faire quand tu étais petit. Tout petit, un rêve, un truc comme ça. Ah, ça va te paraître bizarre, mais à un moment, pendant un long moment, je voulais à tout prix être soit inspecteur des fraudes ou inspecteur des impôts. Oh, le mec, il te... Oh bien, mais quand tu étais tout petit, tu voulais faire inspecteur des impôts? Le mec, pas drôle. C'est clair. Le gamin, tu sais qu'à 5 ans, moi, que t'es inspecteur des infos. Oh putain, t'as le parent qui... Si tu... Punaise, je trouve plus les mots. Un prénom, tu t'appelles Mickaël, mais est-ce que t'aurais voulu t'appeler autrement, si t'avais eu le choix? Non, j'ai pas pensé en tout cas. Non, Mickaël, ça me va très bien. Ok, si tu étais un sport? Un sport? L'athlétisme, sans doute. Une discipline particulière dans l'athlétisme? Ouais, j'aimais bien le 100 mètres et le javelot quand j'en faisais, il fut longtemps. Parfois lointain. Si tu étais un super-héros? Super-héros. Je pense que celui que je vais dire compte pas, mais j'ai jamais été vraiment très super-héros, mais j'adorais Mickey, etc. Donc moi, s'il y en avait vraiment un seul, l'héros de mon enfance, c'était plutôt Picsou. Le mec pas drôle encore, Le mec qui garde ses sous. Non mais derrière super-héros, je voyais plutôt, tu sais, Superman, Batman, tu sais, ces genres, enfin, c'est super, qui ont des super-pouvoirs, etc. Dans ce cas-là, Batman, ouais. Batman, ok. Moi, j'attends le mec qui me répondra Superman pour le chambrer sur le slibard, sur le pantalon. C'est pas encore venu, je suis triste. Si tu avais un idéal féminin, un modèle féminin, une actrice, une chanteuse, je sais. Bon, je vais être original ou pas, sûrement Scarlett Johansson. Oui, je crois qu'elle est... Bah, c'est pas toi qui l'as... Je crois qu'elle est déjà sortie, Scarlett Johansson, mais bon, en même temps... C'est ce qui marche, hein. Si tu étais un périphérique de PC? Je sais pas, une souris. Une souris, ça marche. Tiens, plutôt beurre doux ou beurre salé? Beurre doux. Un signe astrologique? Le mien, alors, le bélier. Ok. Pain au chocolat ou croissant? Ah, je pensais que t'allais dire pain au chocolat ou chocolatine. Pain au chocolat, évidemment. Et pain au chocolat ou chocolatine? Et pain au chocolat. Bon bah non, tant pis. J'aurais bien voulu que le CIM, Eurocat, me réponde chocolatine, ça aurait été très drôle, mais non, pas au chocolat toujours. Toujours. Ok, bon, bah on va s'arrêter là du coup, en tout cas merci Mickaël, c'était bien cool. On va se quitter sur un mot de la fin, comme d'hab. Ouais, bah... jouez bien. Stop playing, start gaming. Je la refais. Un mot de la fin. Bah alors ouais, stop playing, start gaming. Yeah.